Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Fallout 4, le tant attendu Fallout 4. Donc on est sur... Aujourd'hui par contre on est sur la version Xbox One, on n'est pas sur la version PS4, mais ça change pas grand chose en fait parce que là, jour où je tourne cette vidéo, on est le 7, le jeu sort le 10, mais on a un magasin dans notre ville qui le vend depuis le 6, et en fait j'y ai été ce matin, on est parti à l'aventure avec un pote pour le trouver, et il restait qu'une version PS4, et lui il n'a que la PS4, du coup j'ai pris la version Xbox One. Sachez que dans la version Xbox One, il y a la version Fallout 3 Xbox 360 qui est offerte en code de téléchargement, donc du coup ça vaut le coup, et il prend 40Go sur le disque dur à peu près, il y a une petite mise à jour et tout, donc on va tout de suite se lancer. La musique déjà là est pas mal du tout, je pense que ça va être une grosse vidéo parce que il va y avoir beaucoup de choses à montrer. Je pourrais malheureusement pas vous montrer tout ce qu'il y a. Mais on va faire le maximum en tout cas pour voir un maximum de choses. Je vais essayer de pas trop faire long non plus pour pas vous spoiler beaucoup de choses. Mais on va voir. Je pense que ça va durer au moins une heure. Petit temps de chargement. J'ai pas mis la caméra aujourd'hui non plus, parce que déjà que la vidéo va être très très lourde. Alors en plus, la caméra, évidemment, l'incrustation, ça ajoute du poids à la vidéo. Et puis j'ai le volet à moitié fermé, on verrait rien. Et comme j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, que j'ai une gueule de crevard, c'est pas bien grave. Et puis on s'en fout, c'est le jeu qui est important. C'est pas ma gueule. Bon, je pense qu'on va commencer par une cinématique, hein, comme d'hab. Exaucé lorsque les Américains ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale en lâchant des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le monde croyait courir à sa perte, mais en réalité, un miracle s'est produit. Nous avons commencé à utiliser l'énergie atomique à des fins différentes, comme source d'énergie presque illimitée. Nous avons alors eu accès à une technologie qui semblait relever de la science-fiction. Des robots domestiques, des voitures équipées de moteurs à fusion et des ordinateurs portables. Mais au 21e siècle, le rêve américain s'est dissipé. Toutes ces années de consommation de masse ont entraîné une pénurie généralisée de matières premières. Le monde entier est tombé en ruine. La paix n'était plus qu'un lointain souvenir. Nous sommes en l'an 2077, à l'aube d'une guerre totale. Et j'ai peur. Pour moi. Pour ma femme. Pour mon fils qui vient de naître. S'il y a bien une chose que j'ai apprise à l'armée. C'est que la guerre... La guerre ne meurt jamais. Très jolie phrase. Pour finir. La guerre ne meurt jamais. Excusez-moi, j'ai le nez un petit peu bouché. La guerre ne meurt jamais. Il va les épater ce soir à la réunion des vétérans. Tu crois ? Évidemment. Maintenant, arrête de t'admirer et file te préparer. Bien. Ah, on va pouvoir faire son personnage.
Donc, je suis pas un gros connaisseur de la série Fallout. J'ai fait le New Vegas sur PC. Et là, du coup, comme il y a le 3 aussi sur la version 360, je pense que j'y jouerai. Donc, je suis pas un gros connaisseur, mais. Mais je pense que. Il y a bien moyen de s'amuser. J'avais bien aimé le New Vegas. Je sais pas si c'est le meilleur par rapport à ce que les gens pensent de la série. Mais. Est-ce qu'on peut changer des choses? Ah ouais, après on peut vraiment. Regardez. On peut vraiment modifier. Ouais, on peut vraiment Ton manteau a été modifier les récupéré. parties. Par contre. On peut, ouais, on peut bouger le visage et tout. Je suis concentré, j'essaie de pas faire de conneries. Je pense que j'arriverai pas à faire ce que je veux là. On va faire ça comme ça. Hop. Chérie, il est pas trop gros, mon nez. Ah, dis donc, c'était pas content, hein? Donc, ouais, on va. On va regarder ça. On va essayer de pas passer 2 heures dessus. Que je puisse vous montrer d'autres choses. Parce qu'au début, je pense que ça va mettre un petit peu de temps à se mettre en place. Du coup, si on pouvait au moins se balader un petit peu pour voir à quoi ressemble tout ça. Il y a pas mal de trucs en tout cas, hein. On peut vraiment modifier le perso comme on veut. On peut. Ça me ressemblerait un peu plus. J'aime bien la barbe de 3 jours, ça accentue ton menton. C'est la couleur de la peau. Bah, on va laisser comme ça. Ah, on peut même changer le cou et tout. On peut. On va plus mettre ça Je comme trouve ça. que cette nouvelle coupe me va super bien. Mais je vais regarder quand même si on peut pas faire autre chose. Mais moi j'ai les cheveux longs de toute façon, vous l'avez déjà vu avec la caméra. Mais je vais essayer de voir s'il n'y a pas autre chose quand même. On va regarder. J'aime bien faire des persos un petit peu destroy quand même dans ce genre de jeu. Parce que bon, au final, on va devoir survivre et tout. Alors on va pas faire un mec en costard, hyper classe et tout. C'est pas vraiment le. Ouais, on va Tu m'as laisser déjà comme dit que ça. t'adores ta nouvelle coupe de cheveux? On peut changer le sexe et tout. Le corps, on peut faire comment? On va pas faire trop non plus. Hein, on va pas non plus aller faire ça parce que c'est pas mon cas. Moi, je serais plutôt un petit peu grassouillé, hein. Allez. Comment on termine là? Terminé. Ok. On va confirmer. Je crois que je peux me. Voilà, je peux me déplacer. Ton cœur? Je me prépare. Je me dépêche. Pas de panique. Allez. On va aller regarder un petit peu à droite à gauche. Il n'y a sûrement pas grand-chose à voir et à faire La pour l'instant. Paxo pour le nettoyage. Ouais, ok. Bah, on va pas faire de machine à laver, hein. Je fais le tour de la maison quand même. Bon, ça a l'air pour l'instant relativement fluide. C'est du 30 images seconde. De toute façon, sur un jeu avec une map ouverte comme ça et tout, on se doute bien qu'il ne savait pas nous faire du 60 images Bonjour, seconde monsieur. sur console. Regardez, votre café. Une température de 70. Bombe sucrée. 100% de l'apport quotidien en sucre.
Ok. Mais après, bon. Moi, ce que je demande, c'est que ce soit... On dirait que le lair a été livré. C'est que ce soit fluide, après... Hey, Cotsworth. J'espère que le café est à votre goût, monsieur. Moi, ce que je demande, c'est que si ça tourne à 30 FPS, ce soit 30 FPS constant. Plutôt que d'essayer de nous le faire tourner à 60 et qu'il y ait des grosses baisses et tout le temps, ça me gêne. À la rigueur, je préfère... Soit c'est du 60 constant, soit c'est du 30 constant, mais pas du 60 qui arrête pas de baisser tout le temps. Grognac le barbare dans la jungle des bébés vampires. C'est pas trop pour les mon préféré. Cotsworth est très gentil avec Sean. Hé, trésor ! Oh, regarde-toi. Comment une fille comme moi a pu avoir autant de chance ? Eh ouais. Se le demande, c'est le gros bâtard. Il doit y avoir un bébé quelque part. Ah oui, il est là. Cotsworth. Je passerai l'aspirateur plus tard. Ouais. C'est pas ce que je t'ai demandé, mais bon. Tu vas aller ouvrir ? Ouais. J'y vais. Bonjour, société Voltec. Je ne sais pas ce que vous vendez, mais ça ne m'intéresse pas. Non, non, monsieur. Pas d'inquiétude. Je ne vends rien du tout. Pas aujourd'hui. Vous n'imaginez pas combien je suis heureux de pouvoir enfin vous parler. Ça fait des jours que j'essaie. C'est vraiment une question de vie ou de mort, croyez-moi. Vous voyez, donc ça c'est la particularité de Fallout, c'est qu'on peut faire des choix. Bien, je vous écoute. Je vois ça. Mais je sais que vous êtes occupé, donc ça ne prendra pas beaucoup de temps. Le temps est... Bon, crache-là ta pastille. Un bien précieux. Je suis venu vous annoncer qu'au nom du service que votre famille a rendu au pays, une place vous a été spécialement réservée dans l'abri du quartier. L'abri 111. Et il y a de la place pour toute ma famille, j'imagine. Bien sûr. Sauf pour votre robot, naturellement. En fait, vous avez déjà accès à l'abri. Il faut simplement que je vérifie certaines informations. Je ne voudrais pas que vous ayez des problèmes en cas d'imprévu comme destruction atomique à l'échelle mondiale. Ça ne prendra qu'un instant. Ok. J'accepte. Très bien. On va le faire. Très bien. Voilà, il vient pour nous filer une place dans un abri anti-atomique. Hein. On va pas être méchant. Alors. Voilà. Donc on est sur l'interface Xbox. Alors je suis désolé si vous entendez du bruit là. C'est parce que pour faire ce genre de truc dans les menus comme ça, j'utilise les flèches et les flèches de la manette Xbox. Elles font beaucoup de bruit. Donc 21 points. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en mettre en intelligence. Parce que. Il faut se mettre des points en intelligence, absolument. Le charisme est important aussi. Moi, je mets pas mal de points ouais, en intelligence, parce qu'en plus, de toute façon, les points d'intelligence, ils vous permettent de gagner plus de points d'XP en plus après. Donc, on va mettre un petit peu de chance, un petit peu d'agilité, de l'endurance. Voilà, on va accepter. Je crois que c'est tout. Je n'ai plus qu'à ramener tout ça à l'abri. Félicitations, vous venez d'assurer votre avenir. Merci. Merci encore. Écoute, c'est pour être tranquille. Ça vaut bien quelques minutes de paperasse, non ? Ah, ce que je ne ferai pas pour Sean et toi. Bonne réponse. N'est-ce pas ? Alors après, bon. Vas-y. Allez. Et alors après, il y a beaucoup de gens qui critiquent et tout le jeu graphiquement. Alors pour l'instant, on va pas juger, on verra bien. Alors, comment vont mes hommes préférés ? Fais tourner un peu le mobile, il adore ça. Ouais, je l'ai déjà fait. Comment se porte mon petit bonhomme ? Ça va mieux ? Dis, je pensais qu'on pourrait aller faire un tour au parc après le petit déjeuner. Le temps devrait se maintenir.
Oui. Ouais, bonne idée. Madame, monsieur, je crois que vous devriez venir voir ça. Qu'est-ce qui se passe, Cotsworth? Bah, on va y aller, hein. Qu'est-ce qu'il a? Attendez, des éclairs. Des éclairs aveuglants. Des bruits d'explosion. Nous essayons d'en savoir plus. On m'indique que nous avons... Par contre, c'est bien parce que... On est dans les années 2070, comme il a dit à peu près. Mais on a des trucs vachement rétro. Oui, des explosions nucléaires sont confirmées à New York et en Pennsylvanie. Oh mon dieu. Pas bon. Il faut qu'on aille à l'abri. Vite! J'ai Sean avec moi. Allons-y. Habitants de Sanctuary Hills, si vous êtes inscrits, rendez-vous immédiatement à l'abri 111. Allez, on court. Ah là, on peut sprinter. Non, franchement, le jeu, il est pas moche, franchement, techniquement, c'est pas extraordinaire et tout. Je pense que les textures vont être un petit peu basiques et tout. C'est pas, y a rien d'extraordinaire techniquement, mais ils ont beaucoup travaillé les effets de lumière, les ombres et tout. Artistiquement, moi, j'aime beaucoup, je trouve ça très joli artistiquement. Et non, je comprends pas trop toutes les critiques. Il y a eu des jeux plus moches que ça qui ont bien marché. Laissez-nous entrer, on est sur la liste. Enfant, homme adulte, femme adulte. Merci. Bonne chance, madame. Dieu vous deux, suivez-moi, allez. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont de l'autre côté de la barrière? Allez, dépêchez-vous. Par ici. Allez. Non, franchement, vous voyez les effets de lumière, regardez, les arbres bougent au vent, enfin... C'est sûr qu'il y a eu des... Il y a des jeux avec des textures plus fines et tout, mais montez que... C'est... Au milieu. Techniquement, voilà, il y a des jeux qui ont des textures plus jolies, peut-être plus détaillées et tout, mais franchement, artistiquement, c'est très très joli, le choix des couleurs et tout. Tous les effets de lumière sont pas mal. Après, c'est sûr que les visages, tout ça, c'est pas au niveau de gros jeux qu'on peut avoir actuellement. Mais après, en plus, on est sur un jeu avec une map ouverte et tout, donc non, franchement, la bande son est énorme pour l'instant. C'est pas mal du tout. Donc je comprends pas trop toutes les critiques. Bon après de toute façon c'est comme d'habitude aujourd'hui les gens. Ils jugent un jeu sur des photos, sur des vidéos, sur internet. Oh, il est pas c'est pas le plus beau jeu du monde donc il est pourri. C'est un peu ça. Ouais c'est hot, le jeu est plus beau donc il est mieux. On était partis une minute plus tard. N'y pensez tous. Vous êtes en sécurité maintenant. Eh oui. Je suis désolé, j'y suis pour rien, moi. Tu me suis ou quoi, toi? J'étais sûr qu'en marche arrière, j'allais rater les marches. Allez, cours vite. Tu en as déjà fait celle-là, toi. Hey. Oh, au bon sang. J'arrête pas de trouver. Allez, avance. Là-bas, prenez une combinaison. Avancez jusqu'à la table. Il vous faut une combinaison pour accéder au reste de l'abri. Merci. Et merci. Suivez le médecin. Il vous montrera où vous rendre ensuite. Elle, elle en met pas de combinaison. Ok, bon, allez. Tu vois, c'est notre nouvelle maison. Oh, vous serez on a bien tout perdu. C'est l'un de nos complexes les plus modernes. Tout ce qu'on a cela dit, les autres ne sont pas mal non plus. Monsieur. Combien de temps est-ce qu'on va rester assis? On vous expliquera tout ça lors de l'orientation. À mon avis, longtemps, parce que les radiations, elles vont rester là très longtemps. Ça me va bien, non? La combinaison de l'abri est conçue pour être aussi confortable que chic. On est paré pour l'avenir, pas vrai? Ouais, enfin, je dirais pas ça, moi, mais bon. Pardon.
C'est par ici. Entrez là-dedans et enfilez votre combinaison. Alors, fiston, je ne vais pas loin, je serai juste là. Il faut vraiment que je rentre là-dedans, je sais pas pourquoi, ça sent l'arnaque un peu. Avant de pouvoir aller plus loin, vous devez être décontaminé et dépressurisé. C'est une nouvelle vie qui commence. Ouais. Résident sécurisé. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des vies, mais bon. Je parle pas beaucoup, mais c'est vrai que j'écoute vachement ce qui se passe. J'aurais dû mettre les sous-titres. Est-ce qu'on peut ? Attendez, options. Affichage. Sous-titres. Ouais, voilà. C'est pour vous, ça va être mieux. Faut nous cryogéniser, en fait, les bâtards. Ah, c'est moi qui tape. Donc en fait, j'appuyais pas pour rien. Ah ouais, ils rigolent pas, eux, là. Putain, les enculés. Je sais pas qui c'est ces bâtards, mais ils vont morfler. Bon. Bon, on a une femme morte et un bébé enlevé. Ça commence bien. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous disais que cette vidéo allait être sûrement très longue, parce que avant de pouvoir vous montrer vraiment du gameplay, je pense qu'il va falloir un petit moment. Je vais boire un coup d'ailleurs. Allez, il doit bien y avoir une ouverture. Allez, allez, allez. Oh non. Là on part, là on tape, ok. Bon bah. On va se casser d'ici. Dysfonctionnement de l'ouverture d'urgence de la porte de sortie. Donc on a toujours. Est-ce qu'on a une touche ? Là on saute. Attendez, je regarde un petit peu les touches. Là on envoie les mêmes coups ou. Non, ok, c'est des coups plus lourds. Comment on... Donc là, on met des trucs sur les raccourcis, ok. Ok, ok. Alors là, c'est pause. Ça, c'est rien. Je sais même pas à quoi il sert ce bouton sur la Xbox. Donc pour l'instant, visiblement, j'ai pas... Parce que là, j'ai ramassé des trucs... J'aimerais bien pouvoir m'en servir de ces trucs que j'ai ramassés. Bon, on verra, on pourra peut-être le faire plus tard. Il nous montre petit à petit les choses. Oh, c'est relativement fluide, ça va, ça tourne bien pour l'instant. Bon, il n'y a pas grand-chose non plus à l'écran.
renard géant? C'est quoi ce bordel? Alors on peut commencer à tout ramasser. Après, faut faire attention parce qu'on a un poids à pas dépasser. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Au moins, vous voyez que c'est possible. On peut s'asseoir et tout. Il n'y a pas une vue... Voilà. Alors, bah, j'aimerais bien, en fait, savoir comment on... Voilà, on n'est pas obligé d'aller là-dedans, quand même, non? Comment on va dans le... Parce qu'on doit bien avoir un menu, une interface, tout ça. Pour l'instant, j'en vois pas, je sais pas. Je vais essayer toutes les touches. Oi, oi, oi. Ouais, et puis ces salopards, ils ont des radiations. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont tous les autres? Ils sont tous cramés. Ah, il va falloir le temps que je me fasse au gameplay comme ça. Ouais. Des squelettes. Ouais, ça c'est pas mal, mais... Ok. Ok, donc moi je regarde, je lis, hein, je lis assez vite. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez lire le truc. Vraiment. Pas mal. Attends-moi, je reviens. Si seulement j'avais une épingle à cheveux. Des épingles à cheveux. C'est tout ce qu'il te faut pour ouvrir ça. Merde, c'est quand même pas grand chose. Ah, voilà. On va ramasser un peu tout ça. Le verrou tient bon. Ça n'a pas l'air de se crocheter. Non. C'est niveau mètre, hein, c'est marqué, donc... Allez, va falloir que je me fasse au gameplay, hein. Je pense que là, c'est... dommage d'utiliser des munitions pour... Non, je voudrais arrêter de... Je pense que là, c'est dommage d'utiliser des munitions pour ces machins-là. À un moment donné, il n'y a pas une touche pour ranger. Pour ranger son arme, non? C'est dommage, ça. Ouais, ça j'ai vu. Non, parce que ça m'embête de... d'utiliser des munitions pour les cafards.
Est-ce qu'il y a des survivants? Ils ont pu sortir? Merde, hein. Ils font chier, ces cafards, là. Hein, Pip-Boy? Ah, voilà, je vais l'avoir, mon interface, ça y est. Donc, dans la version collector du jeu, vous avez ce truc-là, et vous pouvez mettre votre téléphone dedans. Il y a une application et tout. Voilà, donc là, on va avoir notre interface, ça y est. Alors, LT et RT, voilà. C'est ça que j'ai un petit peu de mal sur la Xbox, c'est le LT, le RT, là. Est-ce qu'on peut voir la carte ? Voilà, c'est tout ça, là, la carte. Ça a l'air plutôt pas mal. Jeter, machin, trier, examiner, stat. Niveau 1. Donc j'ai des steam packs, c'est pour se soigner. Ok. Donc voilà, en plus on va pouvoir faire ce genre de truc. Ok, je recule. On ne sait jamais. Donc là, normalement, maintenant, je devrais avoir une touche pour l'ouvrir, ce truc. Ouais, voilà, le B. Bon, c'est pas mal, c'est sur le B. La musique est géniale, là, franchement. Non, vraiment, à ce niveau-là, c'est... Ouf, waouh. Là, la musique, moi, je la trouve géniale. Allez, hop. Changer de nom et d'attribut spécial. Non. Ouais, on peut rechanger en fait. On peut rechanger d'apparence et tout avant de quitter. Ouais, bah, vu ce qu'il a l'air de s'être passé là-dedans, on a bien fait de se barrer. Hein. Parce qu'à mon avis, on aurait pris cher. Eh bien, on peut faire tourner le truc comme on veut pendant le temps de chargement. On peut le déplacer même. Ah, on peut dézoomer, zoomer, tout. Pas mal. C'est pas trop long, ça a pas l'air trop long au niveau des temps de chargement en plus. Un succès déverrouillé. J'aimerais bien que tu te barres, toi, le succès, parce que... Pour lancer des grenades ou poser des mines, képez-vous-en depuis le Pip-Boy et maintenez RB. Je regarde RB, hein, pour pas faire la connerie d'appuyer. Ouais, c'est celui-là. Pas faire la connerie de... d'appuyer dessus pour rien. Alors attendez. Inventaire. Cocktail Molotov. Comment on fait ? Ok, voilà. Ouais, je vais me balader avec le flingue dans les mains, on ne sait jamais. Il y a des trucs par là.
Il y a une silhouette sur le radar, là. Un petit machin. Est-ce que je peux descendre par là sans me casser quelque chose? Ouais. Ça a l'air d'être bon. Non, vous voyez, franchement, c'est plutôt joli. Enfin, je sais pas, je... Il y a énormément de critiques. Regardez les effets d'eau, tout ça. Enfin, c'est... Regardez. Franchement, c'est joli, quoi. C'est bon, on peut pas le... cacher, ce truc-là. Alors, on va aller doucement, on va faire attention. Parce qu'on sait pas trop où on est, là. Il y a un truc sur la carte, là. Est-ce qu'il reste un... Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un de vivant, là? Quelque part? Enfin, sur la carte, sur mon radar en bas, je voulais dire. Oui, il y a des trucs. Là, il y a une fusée par là. Là, donc c'est là, comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un survivant là-dedans, quelque part? On va peut-être pas trop aller se foutre là-dedans, parce qu'on sait pas trop... Est-ce qu'on peut aller fouiller quelque part? Bon, perso, si je trouvais des trucs à manger là, je les mangerais pas, mais... Parler à machin. Il est où? Il est encore là, lui? Ils me disent de parler au robot. Alors, est-ce qu'il est encore là? Attendez, j'essaye de fouiller un petit peu quand même. C'est vrai que je maîtrise pas trop, hein, comme je vous l'ai dit, Fallout. J'ai joué à New Vegas, mais voilà, ça, c'était il y a longtemps. Et du coup... Ah, bah dis donc... Qu'est-ce qui est arrivé au monde? Au monde, monsieur? Eh bien, mis à part le fait que nos géraniums continuent de nous faire des jaloux à Sunbury Hills, j'ai bien peur qu'il ne se soit pas passé grand-chose par ici. Mais la maison sera bien plus animée maintenant que vous êtes de retour, votre épouse et vous. Où est madame, d'ailleurs? Ils l'ont tué. Monsieur, ces choses que vous dites, ces choses affreuses, je crois que vous avez besoin d'une distraction. Oui, d'une distraction pour lutter contre cette éternité. Ah, il a un problème, ce robot. L'éternité que nous n'avons pas pratiqué d'activité familiale. Nous pourrions peut-être jouer aux dames, ou pourquoi pas aux charades. Sean adore ce jeu. Est-il avec vous? Cotsworth, écoute-moi bien. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu as vu Sean? Il était avec madame quand je l'ai vu pour la dernière fois. Elle est peut-être allée chez les Parker pour qu'il puisse jouer avec son ami. Je crois que lui s'est fait la vie normale comme si c'était rien passé. Sean a été kidnappé. Mais je vais le retrouver. Je vais le reprendre, mon fils. C'est encore pire que ce que je pensais. Vous souffrez de paranoïa qui est sûrement due à la faim. C'est le genre de choses qui arrivent quand on ne mange pas pendant 200 ans. J'en ai peur. 200 ans? Quoi? Qu'est-ce que tu... Un peu plus de 210 ans, en fait, monsieur. Plus ou moins quelques minutes. En raison de la rotation de la Terre et d'un léger souci de précision de mon vieux chronomètre. Cela signifie que vous avez deux bons siècles de retard pour le dîner. Souhaitez-vous que je vous prépare une petite collation? Vous devez avoir faim. Quoi? À manger? Ouais, on va manger. J'ai besoin de réfléchir quelques instants. Dans ce cas, je reviens tout de suite. Ah ouais, c'est quand même chelou, hein. On a l'impression...
Il a fait sa vie normale et tout. Il a vécu la vie qu'on aurait dû vivre. Mais non, quoi. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Non, je suis là. Hey, Cotsworth. Vous savez, monsieur, j'ai réfléchi. Il se peut que votre famille se cache de la menace rouge. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Les communistes, bien sûr. Les soviétiques et les chinois. Mon vieux Cotsworth, je ne pense pas que les communistes soient encore un problème. Non, je pense pas non plus. Et si nous cherchions ensemble ? Madame et le jeune Shaun, c'est ma famille, à moi aussi. D'accord. Je te suis. Je suis fier de vous servir, monsieur. Écoute, mon gars, on va inspecter le quartier, mais on va pas retrouver grand-chose, hein, je pense. Je ramasse un peu les trucs, on sait jamais, je sais pas quoi ça va me servir, mais je les ramasse quand même. Bah allons voir. Ouais, en fait, ça aurait été dommage de lui dire non, parce que finalement, voilà, il a des capteurs et tout, il peut être bien utile pour rechercher. Et ça peut être pas mal du tout. Mais là, comme ça, au moins, vous pouvez voir un petit peu le gameplay, même si là, on a encore rien vu, parce qu'il y a un système de ciblage avec les points faibles des adversaires et tout. Il nous fait quoi, par contre, là ? Ouais. Il était coincé contre la boîte aux lettres. Bon, c'est des choses qui arrivent. Là, mon pote, on va trouver que ça, hein, comme mouvement, à mon avis. Cotsworth. Madame et le jeune Shaun, ils ne sont pas là. Ben non. Shaun est là, quelque part, Cotsworth. Je dois le retrouver. Et concorde, monsieur. Il y a beaucoup de gens là-bas. Et la dernière fois que j'y suis allé, ils m'ont juste donné quelques coups de bâton avant que j'arrive à m'enfuir. Il reste encore des gens en vie à Concorde ? Oui, même s'ils sont un peu rudes. Vous vous souvenez de la route ? Il faut emprunter la passerelle au sud, puis passer devant la station Red Rocket. Je vais rester ici afin de protéger notre foyer. Ok. Bon, on va y aller, on va aller voir. Moi, je prendrai un peu plus mon temps après. Quand je jouerai de mon côté, mais. Là, je me dépêche un petit peu quand même pour que vous puissiez voir. Plus de choses. Ah, c'est quand même joli, hein. Je suis désolé, mais bon, vous voyez, il y a quelques petites saccades. Mais c'est quand même relativement joli. Je vais regarder quelque chose dans l'inventaire. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Dans les tenues, donc. Est-ce que la tenue de nomade est meilleure ? Oui, la tenue de nomade, elle pèse du poids. Mais je pense qu'elle améliore un peu la protection. Sont stylées les voitures, j'aime bien. Mais artistiquement, franchement, j'aime beaucoup. Il fait quoi, il m'attaque ? Hey, salut, toi. Qu'est-ce que tu fais là, tout seul ?
veux m'accompagner, bonhomme ? Ouais, on va le prendre avec nous. D'accord. On va faire un bout de route ensemble. Allez, viens. Sinon, est-ce qu'il me suit tout seul ? Ouais, il me suit tout seul. Je peux lui donner des ordres, mais je ne suis pas obligé pour qu'il me suive de... L'atelier vous permet de construire, modifier et de supprimer les objets et les structures proches. Parcourir les options, machin, ok, appuyez pour trouver l'objet ou la structure que vous souhaitez fabriquer. Si l'élément sélectionné apparaît en vert, appuyez sur A pour le fabriquer. S'il apparaît en rouge, modifiez sa position. Les objets sont fabriqués à partir de composants. Ok, donc on peut fabriquer des choses, vraiment. Ouais. Ok. On va essayer, on va regarder, hein. Donc c'est ça que j'ai fabriqué. Ah, on peut le déplacer et tout, on peut le mettre... Ouais, on va le mettre comme ça, on va voir. C'est pour essayer, hein. Donc là, on peut quitter directement avec cette touche. Ok. Ok. Je vois des points rouges sur la carte, là. Oh putain, oui. C'est quoi, ça? Oh putain, il y a beaucoup de machins, là. C'est quoi ces espèces de taupes qui m'attaquent, là? Il y en a beaucoup. Oh putain. Il y en a encore un. Eh ben, dis donc. Voilà, je pense qu'on peut dire heureusement que j'avais le chien avec moi. Parce que sinon, je pense que j'aurais pris cher. Allez, viens avec moi. Mais pourquoi il veut que je... Ok. On peut pas encore faire le... Putain, même les moustiques, ils rigolent pas, eux, là. Larve de tic. J'ai plus de munitions. Par contre, j'ai du rouge sur ma barre de vie, là. Est-ce que c'est à cause des radiations ou pas ? Ah ouais, d'accord. Donc ces dégâts, ils ont réduit ma santé. Donc là, même si je me soigne, en fait, le petit carré rouge qu'il y a sur ma barre de vie, il sera pas rempli. Putain, j'ai plus de munitions.
Attendez, je vais me planquer là. Je crois qu'il a buté le deuxième. Donc, je peux mettre ça. On va mettre ça et ça. Ah, je peux pas avoir les deux là. On va garder ça. Dans les soins. S'il pouvait y avoir un mec, par contre, j'ai fait quoi? J'ai allumé une lampe de poche, mais comment j'ai fait? D'accord, comme ça. Hey, par ici, sur le balcon. J'ai un groupe de colons à l'intérieur et les pillards ont presque réussi à franchir la porte. Je vous en prie, prenez ce mousquet laser et aidez-nous. J'arrive. Charger les mousquets laser en appuyant plusieurs fois sur X. Plus l'arme chargée, plus les cons. Les gens sont importants. Ok. On va retourner dans le Pip-Boy. On va s'équiper. Ah, ça c'est stylé ces machins là. Est-ce qu'on peut rentrer? On est à 52 minutes. Je pense qu'on va bientôt s'arrêter quand même. On va pas faire non plus trop long. Je peux pas vous montrer tout le truc, mais. Ça c'est stylé ça, moi j'aime bien cette arme. Bon, il y a quand même des munitions visiblement, même. Même si on recharge. Ça. Ok. Comment il m'a niqué l'autre? Il est où? Voilà. Je vais te la mettre, mon pote. Faut faire attention, par contre, parce que là... Je joue un peu comme un bourrinos, mais on n'est pas... dans un Call of ou dans je ne sais quoi. Faut faire attention. Est-ce qu'on peut passer par là? Ouais, c'est des faux gens, tout ça, j'ai eu peur, là. J'étais en train de me dire, c'est chelou quand même. Merde. Surtout pour les munitions, il va falloir faire attention. Il va falloir fouiller partout. De quoi ? Je vais te faire la peau. Où est-ce qu'il est autre? Je vais plus avoir de munitions sur ce truc. Heureusement que j'ai le chien. Hein.
Heureusement, heureusement. Je vais vous faire la peau, je vous préviens. Et arrête où tu veux qu'ils aillent. On a autre chose à foutre, merde. Vous entendez ça? Faut que j'aille faire un tour. Mais quand je reviens, c'est mort. Merde, c'était quoi ça? Merde. Putain, les cocktails Molotov, ça rigole pas, attendez. Je peux pas ouvrir mon Pip-Boy. Ah, mais là c'est con parce que j'arrive plus à choisir, je sais plus comment j'ai fait tout à l'heure. J'ai fait tout à l'heure pour choisir à quel endroit, mais attendez, j'essaye de regarder un peu comment je peux me protéger. J'ai une jambe droite, j'ai pas la jambe gauche. Il va falloir que je regarde un petit peu plus en détail comment ça marche tout ça. Ah ouais, attendez, parce que du coup j'ai gagné un niveau. Faut gagner un point, machin. Bon, on va s'en remettre un. Ok. Donc. Tableau des aptitudes, ouais. Il y a beaucoup de choses, hein. Vous voyez? Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous tombez à pic. Preston Garvey, des miliciens du Commonwealth. Non. Je t'ai sauvé la vie, mon pote. Les miliciens? Tu reviens dans le passé, là. Quand personne ne peut plus rien pour vous, les miliciens sont là. Non, c'était l'idée, en tout cas. Je voulais me rendre utile, alors je me suis engagé. Mais tout est parti en vrille. Et aujourd'hui, on dirait bien que je suis le dernier des miliciens. Non, c'est pas ça. Le monde a tellement changé. Rien de tout ça n'a de sens. Vous allez bien? Écoutez, on a besoin de votre aide. Et peut-être qu'après, c'est nous qui pourrons vous donner un coup de main. Hein? Qu'est-ce qui vous amène ici? Mon fils Sean a été kidnappé. Il n'a même pas un an. Alors ça, c'est vraiment une vacherie. Désolé. Je sais que ce monde n'est pas facile. Il y a un mois,
On était 20. Hier. Ouais, tu peux le dire. Et maintenant, plus que 5. D'abord, il y a eu les ghouls à Lexington. Et maintenant, ça. Des ghouls? C'est quoi ça? Peut-être. Vous n'êtes vraiment pas du coin, hein? Non. Les ghouls sont des gens irradiés. La plupart sont comme vous et moi. Elles ont une sale tête et vivent plus longtemps que la moyenne. Mais ça reste des gens. Celles dont je vous parle sont différentes. Les radiations leur ont rongé le cerveau et elles sont totalement sauvages. Non, c'est pas ça. Dès qu'elles vous voient, elles n'ont qu'une seule idée en tête. Vous réduire en charpie. Bref, on pensait pouvoir s'installer à Concorde. Mais ces pillards nous ont prouvé le contraire. Mais on a encore une idée. Je vous écoute. Sturges, expliquez-lui. Il y a un vertiptère qui s'est écrasé sur le toit. Un vieux modèle qui date d'avant la guerre. Vous l'avez peut-être aperçu. Apparemment, un de ses passagers a laissé un truc pas piqué des hannetons. Je parle d'une authentique armure assistée T-45, modèle militaire. Qu'est-ce qui rend cette armure assistée si spéciale? C'est un modèle à servomoteur interne Westech. Une fois à l'intérieur de ce petit bijou, on devient un véritable surhomme. Plus fort, plus robuste, résistant aux radiations, et ample. Avec l'armure, ça m'intéresse ça. Arracher le minigun du vertiptère. Et là, du coup, pour les pillards, c'est un aller simple pour l'enfer. Vous pigez? Un minigun? Là, ça me parle. Sympa, hey, hein? C'est une bonne idée. Bon, il y a juste un léger souci. L'armure est à sec. Ses batteries sont sans doute vides depuis un bon siècle. On peut la recharger, mais dans notre situation... Je vous aiderai autant que possible. Vous allez avoir besoin d'un réacteur à fusion standard d'avant-guerre. C'est une batterie longue durée, si vous voulez. Mais nucléaire. Du genre qu'utilisaient l'armée et certaines sociétés privées dans le temps. Mais on ne peut pas y accéder. Il est au sous-sol, derrière une porte de sécurité. Écoutez, moi, je répare les trucs. Je bricole. Contourner les systèmes de sécurité, c'est pas vraiment mon truc. Mais vous, peut-être que vous pourriez essayer. C'est bien, on ça peut bouger. Dur. Je vais voir ce que je peux faire. Excellent. Peut-être que la chance est en train de tourner. Une fois que vous aurez branché le réacteur sur l'armure assistée et que vous aurez récupéré le minigun, montrez aux pillards qu'ils ont fait l'erreur de leur vie. Bonne chance. Ok. Alors, est-ce qu'on fait ça ensemble ou pas? Parce qu'on est déjà à plus d'une heure. Moi, je serais d'avis qu'on continue un petit peu. Attendez, je crois que j'ai chopé la jambe gauche. Moi, je serais d'avis qu'on continue ensemble. Alors, ouais, ok. Ça, c'est comme dans Skyrim, un petit peu. C'est même carrément pareil. Je n'ai pas de cheveux. Je l'ai cassé. J'ai fait la connerie. Ouais, ben là, je pourrais jamais... Plus d'épingles à cheveux. Je pourrais jamais ouvrir ça comme ça, moi. Merde, j'ai plus d'épingles. Merde. T'as pas ça sur toi, toi? Ah, ça, c'est la connerie, par contre. Est-ce qu'on peut y aller par là? Ah, on vient au même endroit. Hé. Hey. Attendez, restez en position.
pas la péter cette portine. Ah mais là, visiblement, je peux pas le niquer comme je veux. Bon. Il va me falloir une épingle à cheveux, là. On va fouiller partout. Bon, j'ai trouvé ce que je voulais. On va retourner par là-bas. J'aimerais bien au moins vous montrer l'armure, quoi. Ce serait pas mal. Ça pourrait commencer à devenir marrant. On va y aller doucement. Ah. Ça va pas non plus dans ce sens-là. Ah merde, putain, faut pas que je les casse toutes, faut que j'arrive à l'eau. Pourtant, c'est un novice, hein. Génial. Voilà. En douceur. Maintenant, il faut que je remonte. Il est où le chien ? Hey ! Allez ! Bon, on va l'emmener, on va le garder, hein. J'aime bien l'avoir avec moi. Ah, il est là. Je croyais qu'il me suivait pas. Bon, du coup. Faudra que j'arrête de ramasser toutes les conneries, là, parce qu'à un moment donné, je vais plus avoir de place. Du coup, il faut qu'on remonte, mais... Je me souviens plus tellement du chemin pour remonter. C'est bon, c'est par là. Je suis désolé. C'est pas que je veux pas t'écouter, mais là, j'ai un petit peu autre chose à foutre. Je sais pas si c'est par là qu'il faut aller, mais c'est par là que je vais en tout cas. J'espère que c'est bien par là. Ouais, j'aimerais bien au moins vous montrer cette combinaison et défoncer la gueule des autres là. Puis après, on s'arrêtera là-dessus. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo qui dure plus d'une heure. Hein. Allez, on va rentrer là-dedans. Oh là là. Ça, c'est génial, ça. Oh ouais. J'aime bien. Tu vas mourir. Quoi, tu descends pas nous montrer. Qui est mort? Pas donné à tout le monde de tromper la vigilance de mes gars.
Je vais vous apprendre à danser, les gars. Bon, évidemment, c'est pas super précis. Puisque c'est une sulfateuse, hein. Allez, j'ai autre chose à foutre. Je vais doucement parce que là, elle commence à être rouge. Et si elle est rouge, ça veut dire qu'elle surchauffe. Ah, ils disent qu'on n'a plus de dégâts de chute, alors je vais descendre. Tu vas apprendre à danser, toi. Je sais pas si on peut le faire, là. Ah non, 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 non. Ils sont fous, hein. Comment on peut faire... là, des trucs qu'on pouvait faire dans... Dans Fallout 3 et New Vegas. C'est de cibler un ennemi pour avoir ses points faibles, je sais pas. On pourra peut-être le faire plus tard, hein. Bah, de toute façon, on pourra le faire, c'est sûr. Ils l'ont même montré dans des vidéos. Et puis, bon, c'est une particularité de Fallout. Bon, là, les pauvres... je les ai maltraités, mais bon, en même temps... Putain, c'est quoi ce machin là? Les gars, si éventuellement il y en a d'autres qui pouvaient lui tirer dessus aussi, ça m'arrangerait parce que je crois que je peux plus tirer avec la sulfateuse là. J'ai plus de munitions. J'ai plus de munitions de sulfateuse. Ah, je sais, mais... Ma santé est faible. Mais je peux plus tirer avec cette saloperie de sulfateuse, là. Ah, je vois pas trop comment je peux faire. Ah, bah voilà comment on fait. Pour l'instant, je vais sortir de là. Ah ouais, mais je peux plus, je pouvais plus tirer du tout avec, avec la sulfateuse. Donc là, c'était pas terrible, terrible. Est-ce qu'il aurait fallu que je quitte l'armure ou quoi? Je pense pas. Bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Vous aurez vu la sulfateuse, l'armure, tout ça. Parce que là, on est à 1h15 de vidéo, donc on va s'arrêter là-dessus. Donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.